Gros plan sur Raphaël Varane. Il est sur le point de croiser la route de son ancien club. On se retrouve dans... Ciao tutti, nous sommes à Milan, au stade San Siro. Toujours une vraie joie de venir ici. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match. Et tout de suite, on se retrouve pour ce quart de finale retour de la compétition. Et il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air. L'aller, c'est une balade tranquille. On va voir si United va être obligé d'accélérer un peu aujourd'hui. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Eric Dier avec Varane en défense centrale. Marco Verratti sera associé à Nico Barella au milieu. Et enfin Griezmann pour occuper l'attaque aux côtés d'André Silva. Côté Manchester United, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve David De Gea. Frankie de Jong sera associé à Casemiro au milieu de terrain. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. L'action se poursuit. Et attention, ça peut payer là-dessus. Et Bombasso, ça part vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu et déjà un but. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. 1-0 donc au tableau d'affichage. Ça sort des limites, c'est une touche. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Oula, le ballon passe assez loin du cadre sous les yeux des supporters et des partenaires assez déçus. C'est une occasion gâchée. Alors, il y a pas mal d'interrogations depuis quelques temps quand on évoque son nom. Mais pour la première fois, il va rencontrer son ancienne équipe et ça risque forcément de lui faire un peu bizarre. D'ailleurs, on l'a vu avant le chauffement, discuter avec quelques anciens partenaires. C'est sans doute une sensation étrange pour lui d'être passé de l'autre côté maintenant. Et pareil pour les supporters, on va voir l'accueil qu'ils vont lui réserver d'ailleurs. De toute façon, c'est un professionnel. Il va rester concentré sur son match, ne pas se laisser distraire par le contexte un peu spécial pour lui. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Et but, goal, goal, goal. Son deuxième du match, le doublé. Inarrêtable, implacable. Quel sens du but. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Nicolò Barella en direction de Griezmann. Et pas de beaucoup, meilleur jeu, c'est sifflé. Allez, dans la presse, sur les réseaux, c'est David De Gea qui est au cœur de tous les débats récemment. Il semblerait que cette saison soit la dernière de sa carrière. Oui, j'ai lu ça aussi. Après tant d'années au club, c'est normal de choisir de partir quand on veut. Bien joué ça! Oh oui! Le voilà le but pour assommer le match. Trois longueurs d'avance maintenant. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh oui, ce but! Quel geste, quelle reprise de volée, quel golazo!
Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. L'Inter qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et oui, oui, il faut frapper maintenant. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il s'émet légèrement de profit et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quel golazo! Et c'est une manita. Ça fait maintenant 5 buts à rien. Ouais, super, le ballon donné dans la profondeur. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Quelle intervention, elle est hyper importante. Griezmann. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Bien parti dans le dos. Oh, l'intervention. Ouais, coup de sifflet de l'arbitre et coup franc pour l'Inter. Et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le carton. L'arbitre a été plutôt sympa jusqu'à là, mais à la prochaine faute, ce sera clair que ça ne passera plus. Ouais, c'est un pressing efficace. Alors, au menu des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec de la Première Ligue, Manchester United à Burnley. Oh, c'est dangereux ça, attention! Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! On le revoit sur ces images, ce centre de départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. La finition de volée est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise de volée. Quelle démonstration! Le score est maintenant de 6 buts à 0. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Oui, bien fait ça. La place pour tenter sa chance. Frappe dans un angle impossible et comme c'était prévisible, bah ça passe très loin du but. Une occasion gâchée. Hein? Comment veux-tu marquer dans un angle aussi difficile? Quelle mauvaise décision. Attention à ce ballon dans la profondeur. Ah, c'est bien parti. Ah là là, la mauvaise passe. Barella. Attention à cette bonne passe. Un ballon magnifiquement écarté là-dessus. Bruno Fernandes, peut-être pour reprendre. Intervention du gardien. Et ce corner est joué court. Ah, la bonne frappe! Goal!
venu d'ailleurs. Trajectoire incroyable et cette puissance de fou. À aucun moment on s'imagine une frappe de si loin. Et en même temps, c'est cet effet de surprise qui est très efficace. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Nicolò Barella. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match retour. C'est fait. Qualification et donc rendez-vous au tour suivant. On ne peut pas dire que la qualification n'est pas méritée. Sur l'ensemble de 2 matchs, elle a été clairement supérieure. La preuve est évidente quand on regarde le tableau d'affichage. Et ce corner est joué court. Ah, la bonne frappe! Goal! Et le voilà, le but venu d'ailleurs. Trajectoire incroyable. Et cette puissance de fou!